Et les Verseaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juin. On va aller voir vos énergies du moment avec le tarot. On va faire un tirage de 3 sur 3 qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra euh, quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. En ce moment, sur la chaîne, vous avez les guidances de la semaine et vous avez euh, la guidance du printemps. On voit avril, mai, juin, donc il n'est pas trop tard encore pour pouvoir euh, regarder cette, cette guidance-là. Et bien sûr, les, dans les playlists, euh, la playlist des concepts fondamentaux, vous avez pas mal de vidéos outils. Hein, des choses que je vous donne pour votre quotidien et dans la playlist des guidances intemporelles et saisonnières aussi d'ailleurs, vous avez encore des choses là-dedans, donc n'hésitez pas à fouiller. Allez les versos, on est parti avec le tarot pour votre guidance sentimentale du mois de juin. Les versos au mois de juin. Allez. Alors, tout est à l'écran, oui, je peux même remonter un poil, hop, on est bon, allez, première ligne pour vous, neuf de coupe, super, deux de bâton, les amoureux, bon, les versos, vous êtes challengés là, il faut vous lancer, neuf de coupe des coupes, on est sur l'émotionnel. Ce neuf, on est dans l'abondance. Il y a quelque chose qui vibre fort là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil Est-ce qu'il y a un petit coup de foudre Est-ce qu'il y a quelque chose là Le neuf de coupe, on est un peu sur le vœu exaucé. On est sur l'abondance. les hein. coupes, on est sur l'émotion. Et regardez ce personnage là qui saute un hein, cœur plexus sur la lumière avec ce coffre au trésor à ses pieds. Il y a vraiment une très belle émotion là. Il y a un coup fort émotionnel là. Il y a quelque chose qui vient euh, vous percuter. On est bien. Si on en coupe, peut-être qu'on a envie de, de demander l'autre en mariage. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose là de de, de fort parce que je dis ça parce que d'ailleurs on a le deux de bâtons deux de bâtons qui vous invite à sortir de votre zone de confort il y a quelque chose qui vibre fort faut aller le chercher il faut aller le chercher n'attendez pas à l'autre allez y déclarez votre flamme vos sentiments lancez vous peu importe comment le deux de bâton on est son énergie feu l'énergie d'action ce bâton là il est en sécurité mais il n'y arrivera rien du tout hein, c'est un peu le côté il est en sécurité il lui arrivera rien mais il va rien vivre non plus il est calé contre le mur il tombera pas l'autre elle l'a dans les mains elle regarde dehors elle se dit tiens ça a l'air pas mal dehors et si j'allais tenter ma chance et si j'allais voir. Et là c'est ce qu'on vous invite à faire bah, c'est quelque chose qui vibre fort là, il faut aller chercher ça. Il y a quelque chose là qui vibre fort, on vous dit d'aller le chercher en sortant de votre zone de confort et c'est appuyé bah, par l'Arcane majeur au hasard, <laughs> les amoureux. Donc vous voyez, les amoureux c'est la carte du choix. C'est la carte du choix, on vous dit d'y aller où il y a un choix à faire, j'y vais, j'y vais pas, ça vous appartient. Mais vu qu'on a un beau bon œuf de coupe devant, ça serait dommage quand même de passer à côté. Car PDM, la vie c'est maintenant les versos. Allez-y, vous n'avez rien à perdre. Hein. Si C'est juste votre, votre ego, hein, votre dignité entre euh, guillemets. Non, au contraire, quand on a tenté, il n'y a que ceux qui ne tentent rien qui n'échouent pas. Hein. C'est le bâton qui est bien calé contre le mur là. Euh, ceux qui ne tentent rien n'échouent pas. Et donc là, vous avez, ce serait dommage de passer à côté de quelque chose là. Il y a un œuf de coupe qui vibre fort. Donc là, avec le, la carte des amoureux, le choix vous appartient. On a toujours le choix. Vous êtes toujours votre libre arbitre. Je renvoie toujours à ça. Peu importe ce que disent les cartes, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre. Et là, il est temps de faire un choix. Mais quand même, là, avec ces cartes-là, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort et aller euh, voir ce qu'il y a derrière ça, de ne pas avoir de regrets en fait. C'est surtout ça. Continuons. La carte du diable. Arcane majeur, le roi de pentacle et le page d'épée. La carte du diable, ben, vous voyez, hein, c'est la carte de la tentation. Il y a la carte de la tentation, on est tenté d'y aller, il y a quelque chose qui nous appelle. Vous voyez la main qui est tendue, il n'est pas forcément négatif ce diable. Dans les cartes, dans les tirages négatifs, ça peut être les relations toxiques. Pour le moment, je n'ai aucune carte négative autour qui peut venir dire que c'est ça. Là, on est plus sur la tentation et on est plus aussi sur l'attraction physique. Surtout avec le neuf de coupe, on a de l'émotionnel, mais on a aussi du physique. On peut être sur les relations charnelles, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vient nous taper dans l'œil, il y a une notion de tentation ici. Plein centre, on a le roi de pentacle. Alors il y a deux aspects, soit c'est vous ce roi de pentacle, et plein centre ça est quand même importante cette carte-là. Les pentacles, on est dans la matière, de ce que l'on veut concrétiser, matérialiser. Le roi de pentacles, il n'a pas de difficulté à, à, à matérialiser avec les pentacles. Il y a vraiment une notion d'ancrage, on est relié à la terre. Les pentacles sont souvent représentés comme des pièces de monnaie ou des graines. Et le roi, voilà, il sait ce qu'il veut, il est capable de le matérialiser. Donc c'est ce qu'on vous dit sortez de votre zone de confort, vous êtes capable, ça vous représente. Et si ça représente quelqu'un autour de vous, dans ce cas-là, que ce soit un homme ou une femme évidemment, c'est quelqu'un qui a une certaine aisance au niveau, au niveau matériel. C'est quelqu'un qui n'est certainement probablement pas dans la difficulté. Euh, matériel, c'est quelqu'un qui est assez solide, qui est assez carré, hein, qui, qui sait euh, manifester les choses, hein, peu importe dans quel domaine. Donc vous voyez si ça vous c'est vous, si c'est l'autre, ça peut être les deux, hein, l'un n'exclut pas l'autre, mais là voilà, il y a une notion de sortir de la zone de confort pour aller euh, chercher ce que l'on veut, matérialiser. Et là on a le page d'épée, le page sont jeunes, c'est le, jeune, euh, le jeune adulte, l'adolescent. Euh, donc il y a une énergie de, de, de quelque chose de nouveau, de nouveau souffle. Les épées, on est sur le mental. Vous voyez, donc il une nouvelle idée, euh, un nouveau projet, une nouvelle connaissance, un nouvel apprentissage, hein, une prise de conscience ici avec le, les amoureux. Euh, Peut-être qu'on prend quelque chose, conscience de quelque chose ici et il faut faire le choix d'aller chercher. Hein, vous voyez, il y a quelque chose là qui vient germer au niveau du mental. Je peux résumer cette carte comme ça il y a quelque chose qui germe au niveau du mental, que ce soit une prise de conscience, que ce soit quelque chose que vous apprenez de l'extérieur, quelque chose que vous comprenez, quelque chose que vous. Voilà, ça peut marcher dans tous les sens, vous voyez. Donc là, il y a vraiment cette idée-là au niveau du mental, une nouvelle compréhension des choses, de la, de la situation de façon générale, de vous-même aussi. Hein, ça peut être de vos blessures, de vos croyances, de vos schémas, qui fait que là, maintenant, peut-être qu'il faut en sortir. Hein, peut-être le choix d'aller prendre conscience de ce que, que l'on porte et de libérer les peurs. Là, il y a quelque chose à aller chercher. Continuons. Le fou, arcane majeur. Et eh oui, sans surprise, le 8 de bâton. Et le soleil, arcane majeur, incroyable. On a quand même quatre arcanes majeurs sur neuf, euh, et pas des moindres. Et là, le fou, ça fait totalement écho aux deux de bâton. Le fou, il se jette à l'eau. Il se jette à l'eau, c'est l'arcane numéro 0 dans les arcanes majeurs. Il y a 22 arcanes majeurs qui vont du 1 au 21, on vit de cycle en cycle, on ne cesse de répéter. Du 1 au 21, quand on arrive en fin de cycle, on va commencer une nouvelle étape dans sa vie. Mais avant de repasser au 1, on passe par le 0, c'est entre deux. Parce que le 1, il est dans le mouvement, il actionne, mais il faut une énergie. Hein, peu, moi, Je donne toujours cette image du caillou qu'on jette dans l'eau, ça fait des ronds. Là, c'est un peu ça, vous voyez, elle va se jeter dans l'eau, ça va créer une énergie, ça va créer un mouvement et des conséquences, et, vous voyez, et ainsi de suite. Mais on ne sait pas où ça va. Mais si on ne déclenche pas cette énergie-là, il ne se passe rien. C'est l'image de ce bâton qui est contre le mur. Hein, donc là, il faut sortir de votre zone de confort, il faut vous jeter à l'eau. Vous hein, voyez, il y a vraiment cette idée-là, surtout sous le diable, avec la tentation. Et, le, et à la tentation, il y a quelque chose qui vibre fort, qui vibre juste, ici avec ce neuf de coupe. Allez-y, n'ayez pas de regrets, allez le chercher. Hein, le fou, il faut se jeter à l'eau, ça vient de vous. N'attendez hein. pas, je pense, que l'autre euh, vienne vous déclarer ses sentiments ou quelque chose comme ça. Là, ça, Vous êtes challengé, hein, ça, ça a sa raison d'être. Vous êtes challengé, vous dépassez peut-être des peurs ou ce genre de choses-là. Mais si vous sautez à l'eau, c'est ce, ce L là, cette colonne et cette, cette ligne, c'est fou. Si vous jetez à l'eau, regardez derrière le 8 de bâton, ça s'accélère. Ah action, réaction, c'est ce que je disais. On, se, on jette un caillou dans l'eau, on se jette à l'eau, ça crée un mouvement. Le 8 de bâton, on a 8 bâtons qui fusent un petit peu dans l'univers, qui accélèrent. Vous voyez, c'était bloqué, ça se débloque, ça avançait lentement, ça s'accélère. Il y a vraiment une notion d'action, on est toujours dans cette énergie feu. D'ailleurs, je le sens à mon débit de parole et en mon énergie, je suis vraiment l'énergie du jeu. Bouf, ça, ça envoie ici. Ça envoie, vous voyez ça, Dans ce sens-là, ça marche aussi. Le deux de bâton, je sors de ma zone de confiance, je m viens m'ancrer là. Je sais ce que je veux et je vais le chercher. Ça bouge. Et on termine. Magnifique. Regardez la diagonale, ces deux cartes qui se font écho, le 9 de coupe et le soleil le soleil dans un tirage sentimental, c'est l'amour, c'est les énergies hautes, la chaleur, vous voyez, encore une fois, ce cœur plexus vers la lumière, là, c'est très beau, ça vibre beau, là, au niveau du cœur, au niveau des émotions, donc là, vous avez tout à gagner, euh, les versos, à aller chercher ce que vous voulez, là, vraiment, il y a quelque chose, là, vous voyez, le choix, ça passe par peut-être une prise de conscience, de se dire, allez, maintenant, euh, j'arrête de, de réfléchir, hein, j'y vais, j'y vais, vous avez tout à gagner, vous voyez, là, le neuf de coupe, ça vibre juste, vous êtes capable de matérialiser Hein, et ça fait écho au soleil, là on est dans, les joies, dans la joie, dans l'abondance, dans la lumière, dans, dans l'amour, la, hein. c'est la carte d'amour, ce n'est pas les amoureux, les amoureux c'est la carte du choix, la carte du choix, ce choix il vous appartient ça vous appartient d'y aller, de vous jeter à l'eau. si vous n'y allez pas il se passera rien, vous pouvez attendre longtemps que l'autre percute se décide ou je ne sais pas il se passera rien euh, que l'autre vous remarque, c'est à vous d'y aller d'une manière ou d'une autre euh, de vous, vous êtes challengé. mais alors là si vous y allez il y a quelque chose à la clé quand même. Hein. Il y a quelque chose qui vibre juste et ce serait dommage d'avoir des regrets. Céder à la tentation, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, céder, vous faites ce que vous voulez, vous avez toujours votre libre arbitre, encore une fois, je vous renvoie à ça. Vous en faites ce que vous voulez, mais euh, là, il y a quelque chose, vous êtes invité quand même ce mois de juin à, à y aller, à vous jeter à l'eau. Hein. Je crois que ça va être le titre de votre vidéo, Jetez-vous à l'eau. C'est vraiment cette idée-là, action, réaction. Vraiment, cette ligne, elle est très percutante. On la voit ici aussi, on la voit là, on la voit dans la diagonale. Le message se répète dans tous les sens. Hein. Là, c'est clair. On va prendre quelques cartes d'oracle encore pour les versos pour le mois de juin. Hop. Le 6 de Raphaël qui correspond au 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est l'enfant. Donc euh, ça peut être votre enfant intérieur. Retrouvez cette, 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 cette envie de, de jouer, hein, ce côté un petit peu innocent, ce côté un petit peu... Euh, euh, joueur, le flirt, ça rejoint, c'est une un peu du flirt, hein, dans un tirage sentimental, la joie, le jeu, hein, vraiment quelque chose de ça, de pas trop se prendre la tête, hein, de revenir ici, de pas avoir trop peur et de, de profiter de l'instant présent. Maintenant, les enfants, euh, le 6 de coupe peut représenter aussi votre passé. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un euh, en lien avec votre passé que vous connaissiez déjà euh, Pas forcément avec qui vous avez été en couple, hein, pas du tout, euh, mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà de votre, de votre enfance ou en tout cas d'un passé euh, un peu plus lointain, ça peut être ça. Maintenant, le 6 de coupe, enfin, ça peut être aussi le faire le bilan, de voir tout le chemin qui a été parcouru pour en arriver là aujourd'hui. Et si on est content, on, quels sont les choix que je peux faire aujourd'hui pour continuer ou si on n'est pas content de là, on en est. Pour justement changer de direction et là vous êtes invité à passer à l'action hein. clairement euh, on est vraiment là-dessus hein. donc euh, ce de coupe c'est vraiment ça mais là on est beaucoup lié à l'enfant intérieur le petit texte nous dit laisser ressurgir l'enfant qui est en vous oui l'enfant il ne se pose pas de questions Hein, même en amitié, en amour, en tous les domaines, il y va. Vous hein. vous souvenez de l'école primaire, maternelle, on allait voir les gens, on disait Tu veux être mon copain, tu veux être ma copine, et on y allait. Il y a un peu ça, à retrouver cette, euh, cette innocence-là, ne euh, pas avoir peur, parce que bah, on n'a pas encore beaucoup vécu, on n'a pas encore les blessures de rejet, d'abandon, euh, de trahison et co. Euh, mais donc là, il faut essayer de retrouver cette énergie-là. Et on vous dit Nouveaux amis aux relations anciennes retrouvées, enfants ou enfance Donc là, il y a ce côté-là côté à retrouver. Et on va prendre une carte avec l'oracle de l'énergie. On va terminer là-dessus. Pour les versos. Pour le mois de juin. Et on a le guérisseur de tous les temps. Vous voyez, il y a quelque chose qui se guérit ici. Donc justement, on vient de parler de blessures. D'ailleurs, dans la playlist des concepts fondamentaux, je vous pose des, des vidéos sur les blessures pour mieux les comprendre et mieux vous comprendre. Et pour le moment, vous avez en ligne euh, rejet, abandon et humiliation. Il reste à vous sortir trahison, injustice. Euh, comme vous le savez, peut-être j'ai dû reprendre un travail à plein temps en ce moment parce que je, je n'arrive plus à vivre uniquement de la cartomancie. Euh, mais j'essaie de vous les sortir au plus vite quand même. Donc là, vous voyez, guérisseur de tous les temps. Encore une fois, on a cette lumière au niveau du cœur plexus. On la retrouve quand même trois fois dans le jeu, hein, ici. Donc, c'est pas, pas rien. Plus ce personnage qui a les bras aussi grands, ouverts. Donc, là, il y a vraiment une notion de, de s'ouvrir. Et là, on vous demande de sortir de la zone de confort et d'ouvrir la fenêtre. là, Donc, il y a vraiment une notion d'ouverture, de, de, de se jeter à l'eau. Je crois que ça va être le, le titre de votre guidance. Pour ce mois-ci. Donc dites-moi, ça vous parle, hein les versos en commentaire. J'ai hâte de vous lire, parce que c'est un très beau tirage. Euh, bien sûr, ça reste une guidance générale. Donc voyez ce qui vous parle ou non. Si vous voulez une guidance privée plus détaillée, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo. Vous avez toujours mon site internet. Même si euh, j'ai repris un travail, je prends quand même toujours des rendez-vous. Évidemment, il y a beaucoup moins de créneaux disponibles. Donc au cas où, n'hésitez pas à vous positionner si vous voulez un rendez-vous dans pas trop longtemps. Et euh, vous avez le lien vers ma boutique aussi. Et si le cœur vous en dit, donc merci énormément de liker cette vidéo, de commenter de vous abonner. C'est ça qui fait rentrer la vidéo dans l'algorithme et qui m'aide à me faire connaître et à développer mon entreprise pour essayer d'en vivre euh, un jour. Voilà pour vous les versos. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Ciao